I told you that this glass sprang into existence, this glass made itself, no man made this glass, would you believe it? Would you believe I just told you this thing made itself? If your clothes didn't make itself, if that glass couldn't make itself, if this building didn't make itself, then how did the moon get out there? How did nature, how did all this come here if didn't know why something planted to make it? So what I'm saying is, I believe that we're going to be judged. This is a test to see where will we spend our life in heaven and hell. The most important thing about life is what's going to happen when you die. Are you going to go to heaven or hell? And that's eternity. How long is eternity? Imagine that one grain of sand represents 1,000 years, and when you're in hell burning forever and ever, no end. How long is that? Take the Sahara Desert, and I told you to wait 1,000 years. And every 1,000 years, I want you to pick up a grain of sand until the desert is empty. Whew. You know how long just the... So it just scares me to think that I'm going to die one day and go to hell. Somebody's watching me and keeping count, and I can't get away. He wants to know, how do we treat each other? How do we help each other? Jamais. Jamais je n'oublierai le regard lumineux de ces enfants en Afrique. Ce qui m'a le plus frappé, c'est leur dignité et leur détermination à apprendre leur religion, peu importe les conditions difficiles. Ils boivent et font leurs ablutions avec une eau insalubre, parfois mortelle. Mais lorsque je leur ai demandé ce qu'il leur manquait, ils m'ont répondu le plus simplement du monde, le Coran. Nourrir l'esprit avant le corps, cela m'a rappelé l'essence du mois de Ramadan. Même en prêchant durant des années, on ne pourra jamais imaginer le vécu de ceux qui doivent marcher des kilomètres sous un soleil de plomb pour aller adorer leur Seigneur dans un bâtiment délabré. Tout comme nous ne pouvons nous imaginer marcher dans les ruines de ce qu'était autrefois notre quartier et notre vie. Nous devons faire le vide, oublier le matériel, se recentrer sur nos valeurs. Que répondrons-nous le jour où l'on sera interrogé sur ces frères et sœurs que nous avons littéralement laissés mourir par l'oubli et l'indifférence? Parfois, l'insouciance peut être plus dévastatrice qu'une bombe. Il y a le nez, il y a les dattes pour couper, il y a tout ça. En venant ici, j'ai pris conscience d'une chose. C'est, on est vraiment en France. On est en France en France. Wallah, il a vraiment en France. On leur donne un sac, regardez, il fait trop fort rien. Ils sautent de joie, regardez, ils sautent de joie. On dirait qu'on leur a offert un château. Et subhanallah, nous on se plaint pour un vivant, on se plaint, on est là. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous pardonne notre ingratitude. Parce qu'Allah dit dans le Coran, « Wala tus'alunna yawma idhin 'anil na'im » Et certainement, nous allons être questionnés sur les délices, sur les bienfaits qu'Allah nous a donnés. Et nous, on trouve le moyen de se plaindre. Et Allah dit dans le Coran, « Wa qalilum min ibadiyya shakur » Et très peu sont mes adorateurs reconnaissants. J'ai trouvé déjà deux corps dans la maison maternelle, couchés, mortes, des suites de noyage. Par manque d'eau, ils sont allés quelque part là, Allah, a voulu que vraiment c'était leur endroit où ils devaient, le chemin là où ils devaient passer pour se rendre au Mendala. Salam alaikum, je m'appelle Mounira, j'ai 14 ans et je suis morte. Je vivais au Cameroun dans un petit village avec mes parents et mon frère. Chaque matin, je me levais à l'aube et nous allions, mon frère et moi avec papa, jusqu'à la vieille cabane en bois toute abîmée qui faisait office de lieu de prière. Ensuite, nous partions pour une longue et épuisante marche avec maman qui était enceinte de 4 mois. Elle marchait si lentement que nous mettions parfois 2 heures pour aller chercher de l'eau. Je portais ce seau d'eau sur ma tête et ce gros bidon bleu. Je parcourais ce chemin à travers les hautes herbes avec la peur de me faire mordre par un serpent ou attaqué par une bande de voyous, comme c'est arrivé à une jeune villageoise. À cause de cette corvée, je n'ai jamais pu réaliser mon rêve.
celui d'aller à l'école et de devenir moi-même professeur. S'il y avait eu une mosquée au village, nous n'aurions pas eu à prier dans une case insalubre et être la risée des chrétiens. S'il y avait eu une école, mon frère Haroun et moi n'aurions pas eu à étudier le Coran dans le salon de Madame Aïcha, dans une chaleur étouffante. S'il y avait eu un puits au village, je ne serais pas morte, emportée par le courant de la rivière en essayant de sauver maman et le bébé. Ce n'est pas de votre faute. Vous n'êtes pas responsable. Vous ne saviez pas. Vous ne saviez pas que 6 à 8 millions de personnes meurent chaque année à cause des maladies liées à l'eau. Vous ne saviez pas que 43% des enfants non scolarisés dans le monde vivent en Afrique. Vous ne saviez pas que des milliers de musulmans à travers le monde récitent le meilleur des livres dans les pires des conditions. Mais ce n'est pas de votre faute. Vous n'êtes pas responsable. Vous ne saviez pas. Maintenant, vous savez. Faites le savoir. Faites un don. Nous n'avons pas la prétention de vouloir changer le monde, mais construire ce qu'Allah nous permettra d'accomplir. Notre mission a toujours été de permettre aux croyants d'adorer son Seigneur dans les meilleures conditions. De l'eau pour se purifier, du savoir pour fortifier le cœur et l'esprit, et les lieux de culte pour pratiquer sa religion. Nous plaçons la dignité et la transparence au cœur de chacune de nos actions, car nous ne nous approprions pas l'argent confié. Nous ne sommes que des intermédiaires. Et cet argent qu'Allah Azza wa Jal a mis dans nos mains est le vôtre. Vous êtes ceux qui construisent les mosquées, les écoles et les puits. Vous. Et nous ne sommes que des intermédiaires. L'unité est gage de réussite. Ensemble, nous sommes capables de tout, Inch'Allah.